Aujourd'hui, 6 mai, la Sainte Église célèbre Saint Marien et Jacques ainsi que leurs compagnons martyrs en 259. Ce sont des martyrs en Afrique. Selon les actes de leurs martyrs, la vie de la grâce était si intense chez ces témoins de Dieu qu'il leur semblait trop peu de verser leur sang précieux. Ils exerçaient la fonction de lecteur dans la communauté chrétienne de Circé, actuellement Constantine en Algérie. Saint Marien fut arrêté sous Valérien avec beaucoup d'autres chrétiens de cette région. Ils furent réunis sur le flanc d'une colline, eurent les yeux bandés et furent mis en rang. Les bourreaux passèrent au milieu d'eux, les décapitant et les égorgeant les uns après les autres. À Lambèse, en Numidie, en l'an 259, les saints martyrs, Marien, lecteur, et Jacques, diacre, furent donc décapités au nom de leur croyance en Jésus-Christ. Le premier avait déjà triomphé des rigueurs de la persécution de Dèce en confessant le Christ. Il fut pris une seconde fois avec son illustre collègue et tous deux, après des supplices cruels, mais fortifiés par la grâce divine, périrent enfin par l'épée avec beaucoup d'autres. Que leur endurance nous inspire aujourd'hui. Bonne fête à tous ceux et celles qui portent les saints prénoms de Marien et de Jacques. Soyez saints comme vos saints patrons. Amen.